bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? J'ai une info à vous passer. Par manque de temps, je vais vous donner cette info-là en conduisant un peu rapidement là. Oh, regardez-moi tous ces cœurs là. Ouais. Merci beaucoup. Vous m'avez envoyé la capture d'écran. Merci à mes impactés. Merci. Comme on dit, on ne fait pas publicité de quelque chose sur Internet. Le reste va se faire. Et Noli de London. London, comment va? Bon. J'ai des informations à vous donner. Franchement, je suis bousculée. Donc, je parle le choix de vous parler là. En ce moment, je ne vais pas lire vos commentaires, bien évidemment, parce que je suis en train de conduire. Les colis, pour ceux qui sont à Montréal, je vais commencer par ça et puis je vais vous donner des infos immigration. Et puis quand les bagages vont arriver, je vais vous montrer. Comme vous aimez voir, vous qui êtes ici à Montréal, le conteneur est arrivé. Ouais, Lauriane Bayrou, le conteneur est là. On s'en va chercher des affaires. Si tu as fait venir des affaires dans le conteneur sur Montréal et qu'on t'a pas appelé, oui, je parle des vivres, et qu'on t'a pas appelé. Il faut rentrer en contact avec l'impacteuse. Toujours mon même numéro WhatsApp. Rentrez en contact avec moi. Le conteneur est arrivé depuis la semaine passée. On a commencé la distribution des vivres. Donc là, vous me voyez là. Je m'en vais à Dollar des Ormeaux. C'est là-bas. C'est à Montréal. C'est là-bas qu'on va récupérer nos affaires. J'ai une impactée très très forte à Abidjan, comme je vous ai dit, qui m'a envoyé un colis de près de, je peux dire, 70 kilos de bouffe. Donc, je vais aller chercher ça et je vais vous montrer. Le prochain conteneur, il va être posé à partir du 20 de ce mois, le 20 avril, le prochain conteneur. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, restez aux aguets. Justement, quand je fais mes directs, mes personnes, vous êtes là, mais pourquoi il y a ces gens-là? Qui vous appelez ici? Sécurisez-moi mon direct. J'ai dit que j'aimais personne. C'est ça qui vous fatigue. Vous allez mourir de votre propre venin sur les réseaux sociaux. L'impacteur n'a pas le temps. Sécurisez-moi ce direct. Partout où l'impacteur parle. Ouais, parce que les vidéos préenregistrées, je vois que vous êtes là. Des gens viennent mettre Maintenant, ils ont honte, donc ils ne peuvent plus mettre des crânes de mort. Ils mettent des images de stupéfaction. J'ai dit que vous allez mourir sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ça. Le prochain conteneur, ça va être le 20. Ça va être le 20, comment on dit ça, avril, qu'on va poser ça. Donc, pour tous ceux qui sont à Montréal, Québec, partout, partout, restez aux aguets. Tout le monde sera servi. Ensuite, mon numéro. Ok, attends, quand je vais arriver au Tim Hortons pour prendre mon café, je vais mettre mon numéro parce que je ne peux pas écrire pendant que je conduis. Pour quelqu'un qui connaît mon numéro, vous pouvez le mettre là, mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup. Mettez-moi les cœurs, mes personnes. Mes personnes, mettez-moi les cœurs. Donc, c'est ça. Bon, hier, j'ai mis une vidéo. Merci beaucoup. Loris Kogou, merci. Mariam Dosso, mon impact est très, très forte. Merci beaucoup. Merci, mes personnes. Voilà. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la dame, donc le mari a fait rentrer la Chisa ici au Canada. Ouh là là, c'était intense là. J'ai eu plein de commentaires. Et puis j'ai eu. Donc, pour vous dire que le processus se poursuit, oui, je suis obligée de vous expliquer toujours. Partagez la vidéo parce qu'il y a des infos immigration dedans. Le soir, si j'ai du temps, oui, c'est une question de temps. On va encore faire. Je vais vous expliquer la vidéo du monsieur qui a enceinté la fille à Abidjan et aujourd'hui. Elle lui fait du chantage pour faire rentrer l'enfant. Il n'y a pas pour ces gens et des femmes-là. Ma chérie, tu as ton mari, il a fait enfant dehors, ce n'est pas ton problème. C'est lui qui allait faire son enfant dehors, ce n'est pas ton problème. Hein? Enfant en fait dehors, là, quand tu as bon cœur comme nous autres, là, c'est là que tu peux dire l'enfant n'a qu'à rentrer. Maintenant, si la maman veut, elle veut négocier, elle veut te mettre dans le chantage, là, tu quittes dans ça.
C'est toi qui as écarté et puis mon mari a mis dedans. Donc si l'enfant est sorti là, quand il est bon, quand il dit l'enfant n'a qu'à rentrer, c'est pas moi qui fait pitié. Donc il y a un message pour ça. Il y a une vidéo, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message de la Suède. Il y a une vidéo, il a décortiqué ça. Il a démystifié ça. A fait de son mari, a fait enfant de. Et puis après, on fait rien à ça. Maman, il t'a pas violé, oh. C'est toi qui as écarté et puis il l'a mis dedans. L'enfant est sorti. Nous, on aime les enfants. Donc l'enfant n'a qu'à venir, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. Comment dirais-je? Oui, c'était un problème. La dame, son message, j'ai vu que ça a réveillé beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de témoignages des femmes. Oui, l'impacteuse, les hommes, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. On vit avec les hommes, tu aimes ton mari, mais il faut se réveiller. Réveillez-vous, c'est ça. Nous, notre combat avec les femmes. Avec les hommes aussi. Voilà. Parce que moi, je suis pour l'équité, parité homme-femme. Vous connaissez ma position. Donc, ouais, les étoiles s'achètent. Tu vois, hein? Les étoiles qu'on donne là, ça s'achète. Donc, quand vous voyez que je fais un direct et puis il y a 4000 étoiles, c'est pas du jeu. C'est des gens qui t'aiment qui te donnent des étoiles. C'est ça. Donc, dans cette vidéo que j'avais faite, oui, j'ai vu, on m'a rejoint tout et tout. On m'a dit vraiment l'impacteuse, tout et tout. Donc, les gens veulent encore recevoir les règles pour ce. Aïe, Talou Elisa, ça c'est problème. C'est pas problème, hein. C'est pas problème de. J'ai dit que moi, je sors d'une famille nombreuse. Donc, ça, c'est pas problème. Un enfant, il est tout le bienvenu. Mais les chantages pètent des dehors, là. Maman, le jour que mon mari a couché avec toi, là, c'est pas dans mon lit conjugal, il a couché avec toi. Hein? Il t'a pris, il t'a envoyé à l'hôtel. C'est là-bas, vous êtes sortis ensemble. Donc, tu savais que ce monsieur était marié. Maintenant, si la femme dit, bon, c'est pas grave, bébé n'a qu'à venir à la maison, et puis on fait chantage dehors. On fait pas chantage d'enfant. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Irina Francisco. Merci. Merci pour les cœurs, mes impactés très, très fort. Je vous aime. I love you so much. Je vous aime aussi. Quand j'ai commencé le processus d'immigration, Ozoa, c'est pas obligé, oh maman. Ozoa de craquer, c'est pas obligé. On n'a pas obligé personne. Tu m'as pas envie de demander étoile à quelqu'un. Je ne demande pas. C'est ce qu'elle dit, si ça te plaît, merci pour la personne qui m'a envoyé les 50 étoiles. C'est pas obligé. C'est si ça te plaît, tu donnes à ton impacteuse, c'est tout. Je n'ai pas demandé. Bagaille, il m'a cherché là. Je ne demande jamais rien à quelqu'un. Dans les wow des réseaux sociaux, là, une maman, merci beaucoup pour la perruque. La perruque là, c'est à Londres, hein. C'est vraiment très naturel. C'est à Londres qu'une soeur fait ça. Si vous voulez, après, je vais vous mettre le lien. Dans les wow des réseaux sociaux là. Elle veut même pas qu'elle parle de ça, mais elle dit ça au YouTube. Juste parce que mon mari a intervenu sur moi là. Une maman à Londres. Vous voyez le samedi dernier quand je suis partie courir à Montréal là. C'est l'argent que je suis partie chercher. Elle a dit ton mari est un homme tellement, ça dit, tellement discret, tellement caché. Et puis tu fais tes trucs, mais on sent que tu es une femme qui écoute. L'impacteuse, mon mari et moi, on veut offrir quelque chose à ton mari. On veut lui offrir une Rolex. Une montre de luxe. Mais c'est elle, son mari, hein? C'est pas du Niamsele. Son mari travaille à la Citibank à Londres. Elle a dit, mon mari veut offrir une montre à ton mari, mais comme on ne connaît pas vos goûts, c'est là mon mari a dit non. Au lieu de leur donner cette montre-là, voici, tu peux leur envoyer un chèque. Maman, 5 000 $. Il n'a pas dit on. Sur le sein que Wendy a têté. Une dame métisse sénégalaise à Londres. 5 000 $ qu'elle envoyait. Western Union me posait les problèmes. J'ai dit, il faut diviser en deux. J'ai pu retirer un ici à Laval, deuxième à Montréal. Cadeau qu'elle a offert à mon mari. Donc, de quoi on parle? Maman, je ne demande pas. Oh. C'est mes impactés qui m'offrent. Manger 70 kilos, je n'ai pas payé. Je n'avais pas payé 100 francs. Même le transport, je voulais payer. Encore, il dit l'impacteuse, il faut laisser. Donc, chacun a sa gloire sur les réseaux sociaux. Donc, les conditions que je vous avais données. Maman, pour prendre café seulement, là, voilà. On a café à la maison, on vient prendre café dans la boutique encore, voilà, à faire. Merci beaucoup.
Merci pour les 150 étoiles, mes impactés. Je veux que vous partagez cette vidéo parce que je continue de recevoir encore des messages par rapport aux conditions. C'est des employeurs. Voilà, les employeurs, souvent d'autres ne veulent pas passer par des trucs de comment on appelle ça? Ok, merci, oh là là. Noura Rachida Aïdara, merci pour les étoiles. Merci pour ceux qui m'envoient toujours des étoiles dans mes directs. Donc, excuse-moi maman, tu ne veux pas qu'elle parle de ça, mais il fallait que je parle. Aïe, il fallait que je parle. Je n'ai jamais dit ton nom, mais il fallait que ça sorte de ma bouche. Aïe. 5 000 dollars. J'ai pris 2500 ici à la Valais. Je suis allé prendre 2500. À Montréal, samedi dernier. Puis on a retiré la cagnotte. Le roi dit, ah moi j'ai fait quoi un monde de 5 000 dollars. Yeah, maman. Elle dit, non mon fils, faut prendre. Le roi c'est un homme qui a de l'éducation. Hein. Ça c'est clair. Très éduqué. Merci beaucoup. Ouais, vous comprenez? Je vous explique. Des employeurs qui ne peuvent pas aller, qui ne veulent pas aller sur des sites, tout et tout. Eux, ils passent par des trucs de communication pour faire passer leur contrat de travail. Donc, on avait 15 contrats. Oui, j'ai dit on avait parce que les contrats sont quasiment finis. Je pense qu'il en reste 3 ou 4 maximum dans les 15. À l'origine, il faut le baccalauréat. Je le répète, pareil, l'information me revient. Voici ma tablette qui est là. Comme dit le roi, la tablette d'affaires. Les messages me reviennent encore. Merci pour les étoiles. L'impacteuse, quelles sont les conditions? C'est pour ça que je vous demande de partager cette petite vidéo-là. Je répète toujours, autant que faire se peut. Je vais répéter. Donc, 46 ans et moins, il faut avoir le baccalauréat. Il faut avoir le baccalauréat. Il faut que tu aies un travail. Mais le travail là, ça n'a pas besoin d'être déclaré. Tu n'as pas besoin d'être à la CNPS. Tu n'as pas besoin d'être à la CGRAE. Pourvu que même si tu travailles dans un hôtel, que ton employeur à qui appartient l'hôtel est capable de faire une attestation pour dire que... comment on dit ça? Est capable de faire une attestation pour dire « Madame Tant ou bien Monsieur Tant travaille avec moi. » C'est fine, on vous accepte. Parce que c'est comme on a, merci beaucoup. Parce que c'est la condition des employeurs. Excusez-moi. Allô? Un petit 2-2, s'il vous plaît. Appelez. Ça va être tout. Merci. Donc, c'est ça, 46 ans et moins. S'il vous plaît, quand vous avez déjà dépassé le 46 ans, ce n'est pas la peine de venir parce que le temps qu'on va arriver là-bas, ça peut se compliquer pour vous. 46 ans et moins, tu as un travail, même si ce n'est pas déclaré, tout et tout, tu rentres en contact avec moi. Voilà, je vais mettre le numéro. Attends, plus 1. 514-570-83-97. Voilà, c'est beau. Voilà, j'ai mis le numéro, je vais l'épingler. Bon, je vais épingler le numéro. Désolé, là, je suis tellement bousculée par le temps. J'ai épinglé. Voilà. Donc, quand c'est quand vous rentrez en contact avec moi, voici le numéro qui est là, 570-83-97. Ça, c'est mon numéro réseaux sociaux. Et quand vous allez rentrer, à l'origine, c'est fait pour monsieur, madame et deux enfants. Quand il y a un enfant de plus, je vais vous expliquer les conditions dans mon inbox. Toutes les autres conditions, je vais vous expliquer ça dans mon inbox. Donc, même si vous êtes solo, vous êtes avec un enfant, c'est la même procédure. Ça va être le même montant, malheureusement. Ouais. Bonjour. C'est correct. Merci. Ciao, ciao. Ouais, si c'est la mairie, qu'on va vite. Vous comprenez? Ok. Là, je prends la route, là. Je ne vais pas lire vos commentaires. Je vais juste expliquer tout. Tout ce que moi, je vous demande, c'est de partager. Parce que je reçois encore
des messages sur ce que j'avais dit. Oui, c'est vrai, j'avais supprimé la vidéo, j'ai supprimé les vidéos, donc ça n'a pas aidé. Mais continuez de m'envoyer des messages, je vais vous répondre. Si vous voyez qu'à un moment donné, ça commence à me tirer sur les nerfs, c'est parce que très souvent, je vous ai déjà répondu. Je vous ai donné toutes les informations et vous revenez encore. Ok. Merci beaucoup partagé, merci pour les 250 étoiles. Bon, là je m'en vais point direct l'autoroute là. Donc quand c'est comme ça, même que tu sois seul, tout et tout c'est le même montant, tout seul. Que vous soyez combien, c'est le même montant que je vais vous dire dans les inbox. Comme je vous ai dit, je parle pas agent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Avant, quand nous, on immigrait là, on pouvait venir en conjoint de fête. Même jusqu'à présent, on peut venir en conjoint de fête. J'explique. C'est à cause de ça même, je suis en train de faire cette vidéo-là. Le conjoint de fête, c'est ce que vous appelez célibataire, concubinage. Au Canada, on appelle ça conjoint de fête. On vit ensemble, mais on n'est pas marié. Mais pourquoi aujourd'hui, quand vous rentrez dans un bureau d'immigration, on vous conseille généralement de vous marier? À l'époque, quand nous autres, on est rentrés dans un bureau d'immigration, un conseiller qui est consciencieux, qui fait bien le travail, il va te dire, oui, c'est vrai, cette femme-là, tu as des enfants avec elle, ou bien ce monsieur, vous avez des enfants. Mais pour que le dossier soit sérieux, on vous demande un mariage dans le dossier. Pour ne pas que, ça dit, à un moment donné, l'immigration peut te demander, il faut prouver que vous êtes des conjoints de fait. Mais prouver que vous êtes des conjoints de fait là, on va vous demander un compte conjoint. On va vous demander d'être sur le même bail. On va vous demander, ça dit, il y a beaucoup d'affaires qu'on va vous demander. Mais très souvent en Afrique, les femmes ne sont pas sur les beaux. Oui, c'est ça, un bail des beaux. Vous comprenez? Les femmes ne sont pas sur des beaux, c'est des hommes qui ont leur nom là-dessus. Donc ça pose un problème. Les femmes n'ont pas, ça dit, souvent des comptes en commun avec leur mari. Donc ça pose des problèmes. Donc très souvent, quand vous êtes dans une procédure, le conseiller peut vous dire, oui c'est vrai, vous avez des enfants ou bien vous n'avez pas des enfants, mais est-ce que vous pouvez vous marier? Là on met au dossier, on sait que c'est monsieur et madame, pour ne pas que l'immigration ait à demander, il faut prouver que c'est ta femme. On avait conseillé ça à quelqu'un dans un premier dossier où moi j'étais pas là-bas, mais on m'a envoyé la preuve, j'ai vu ça hier. Le monsieur a dit non, les hommes toujours, hein, il a dit non. Il ne veut pas la marier. Mais pourquoi il ne voulait pas la marier? Une femme avec laquelle il a 3 enfants. Il ne voulait pas la marier sûrement que elle, il voulait venir la déposer au Canada. Et puis peut-être il allait aller marier la maîtresse. C'est aussi simple que ça. Il a refusé de marier cette femme-là. Avant-hier ou bien quand là, ils ont reçu le papier de CSQ. L'immigration demande la confirmation que cette femme-là, c'est sa conjointe de fait. Qu'il donne les preuves qu'il vit avec cette femme-là depuis plus d'un an. Sinon, le dossier va être rejeté. Je vous explique tous ces petits détails-là. Ben souvent, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Effectivement, on peut ne pas te demander comme on peut te demander. Donc, pour éviter ça, là, quand vous êtes dans un dossier d'immigration, les gens vous conseillent, c'est-à-dire des conseillers qui connaissent bien le travail de l'immigration, quand ils vont regarder, ils vont dire que c'est mieux que vous vous mariez. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces trucs-là qu'il va falloir expliquer aux gens. C'est pour ça que je suis là. Ouais, je suis la 40 là. Donc vous comprenez, si tu as le bac 46 ans et moins, tu rentres en contact avec moi. Les frais gouvernementaux, on continue de me demander. Oui, je peux pas en parler encore dans cette vidéo. On continue de me demander les frais gouvernementaux. Je vous ai expliqué. La vidéo est sur ma page. Faites-y un tour. Vous allez voir, c'est écrit frais gouvernementaux, aussi clair que ça. Vous comprenez, toutes les informations sont dedans. Là, quand on finit avec ce contrat-là, comme je vous explique, ce qui m'étonne, c'est que par moment, vous me rejoignez. L'impacteuse, je suis dans l'entrée express. Je suis en train de faire le West. Le West, c'est le World, comment on appelle ça, Education Services. C'est le département de, comment on appelle ça, pour évaluer les diplômes dans la zone anglophone. Donc, vous me rejoignez,
pour me dire que vous êtes dans l'entrée express. Mais quand tu es dans l'entrée express, ça veut dire que quand l'entrée express t'intéresse, ça veut dire que tu es dans un processus d'immigration qui ne coûte pas moins cher. Ok, oui, oui, oui. L'entrée express là, comme je vous ai répété plusieurs fois, pour une seule personne, c'est quasiment 12 000 dollars comme preuve de fonds. Oui, c'est vrai. Peut-être les 12 000 dollars, tu ne viens pas avec ça, mais c'est quand même de l'argent qu'on te demande. Donc, quand vous êtes dans l'entrée express, et puis je vous donne le montant, et puis ça dit, on me donne tout. Mais si tu étais dans l'entrée express, ça dit que tu es prêt financièrement. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a qu'à gagner du temps. Et gagnons du temps, s'il vous plaît. Parce que quand tu viens me dire, je suis dans l'entrée express, je suis en train de faire mes tests de langue. Mais ça dit que tu es prêt pour faire une procédure d'immigration. Entends le montant que nous, on te demande pour rentrer avec deux enfants, mais c'est moins cher par rapport à l'entrée express. Donc, ça dit que vous n'étiez pas prêt et on a perdu mon temps. On a fait aussi, j'ai affaire de 3-3 et 6 là. Les gens vont se moquer de moi. L'impacteur, moi, je suis dans le 3-3-6, mais je suis sérieuse. Mais c'est pas tout le monde qui est malhonnête là. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de malhonnêtes là-bas, c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde. Vous comprenez? Donc, je tenais vraiment à vous expliquer. Et puis, si vous êtes au Canada et que vous avez de l'argent à expédier, environ 1000 dollars comme ça, ou bien à partir de 500 dollars, que vous expédiez à Abidjan, s'il vous plaît, rentrez en contact avec moi. Voilà, nous, on peut remettre l'argent là à vos parents là-bas. Et puis, sur place ici, vous allez nous donner. Mais Western Union nous fait beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Ouais. Une procédure d'immigration, c'est pas du jeu. Vous voyez, tout ça, je vous donne, c'est des informations que je vous donne. Voilà. Je tenais vraiment à vous dire ça pour tous ceux qui ont leur bagage, qui ont les vivres qu'ils ont commandés. Actuellement, les vivres sont à Montréal. Les vivres sont arrivés. Voilà. Les gens de Gatineau, votre convoi vient aujourd'hui. Gatineau, Ontario, là-bas, comment on appelle ça? Ottawa, pardon. Voilà. Vraiment, je tenais à vous dire ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Partagez la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas vous lire. C'est le temps qui me manque. Ce soir, je vais faire un petit direct. Il faut que je finisse avec le sujet de ce monsieur-là. Il me dit, mais l'impact, je t'ai envoyé mon sujet, tu ne t'occupes pas de ça. Vous comprenez? Ouais. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Elle dit, mon rouge à lèvres me va. Merci beaucoup. Chaque fois que je mets direct, mettez-moi les cœurs seulement. La façon dont vous mettez, vous me donnez les étoiles là, mettez les cœurs comme ça. Aïe. Mettez les cœurs. Il a dit que l'impacteur, c'est solo. Où je suis là, je suis seul, à l'aise, sans problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, les femmes, vous êtes dans vos foyers, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par doutes. Que quoi? Voilà. Mais ce monsieur, c'est un étranger. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Je vais lui dire ça ce soir dans la vidéo. Je lui dis ça. Donc, le prix là, c'est tout ça là. L'impact ne se parle pas à gens sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il a parlé de 5000 dollars parce que c'est cadeau qu'on m'a fait. Maman, on peut donner 5000 dollars comme ça. Hey! Il a dit, on m'a fait les cadeaux sur les réseaux sociaux. Mais 5000 dollars, ça m'a dépassé. Le roi m'a été étonné. Il dit, chier. Donc, faut t'en faire des réseaux sociaux là, c'est comme ça. C'est ça que tu as vu là. Donc, à ça, là, tu vas aller encore dans la clash. Tu peux plus. Tu peux plus aller dedans. Donc, c'est ça. Tout ce que je vous demande là, c'est de partager la vidéo. Si déjà, tu as les 46 ans et moins, bah, il faut que je répète ça. Tu as les 46 ans et moins, tu as le travail, travail qui n'est pas déclaré. Mais si tu travailles dans un restaurant, tu travailles où? Où que tu travailles, hein? Il n'y a pas dit maquis, bah, lui aussi on peut l'appeler. Un restaurant quand même qui est connu. Tout et tout, tu travailles dedans. L'employeur peut dire que tu travailles dedans. Tu as ton bac, il n'y a pas de problème. Et que tu as l'argent. Tu as l'argent. Bah, c'est affaire d'argent immigration. Si tu n'as pas l'info, laissez. Bah, c'est affaire d'immigration. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. C'était vraiment ça l'information que je tenais à vous passer. Je vais vous laisser. Je suis trop occupé. Quand il est venu avec les bagages, je vais vous montrer.
Donc, désormais, pour vous qui êtes au Québec, à Montréal, Ontario, je dis toujours Ontario, Ottawa, tout et tout, sachez qu'il y a un conteneur qui vient sur Montréal à partir du 20. La jeune fille qui gère le conteneur à Abidjan, c'est une fille très honnête. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit qu'il y a encore des gens honnêtes sur la terre. Une fille très, très honnête qui fait bien le travail. Donc, ne pensez pas que c'est de l'arnaque. Donc, tout ça, je vais vous montrer. Quand je vais recevoir, je vais rentrer les cartons tantôt à la maison. Et puis, bon, j'ai préparé une petite sauce claire pimentée pour mon mari, comme il aime. Il vient du travail. Pour le réchauffer un peu. Et puis après, il m'occupe de vous. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vais vous laisser. Parce que là, je vais prendre une bretelle là. Ça demande un peu plus de vitesse. Sur ce, prenez soin de vous. Partagez la vidéo. Ciao, ciao.